Un drame a eu lieu ce vendredi 13 octobre. Un homme armé d'un couteau a tué ce matin un ancien nom en fit deux blessés graves dans l'enceinte de la cité scolaire Gambetta Carnot à Arès, Pas-de-Calais, un établissement public du centre-ville qui compte environ 2000 élèves allant du collège au BTS. D'après des informations, l'individu interpellé Mohamed M, c'est un homme de nationalité russe et d'origine tchétchénienne. Fiché S pour radicalisation et surveillé, il aurait crié Allahu Akbar. Selon une source policière, le parquet antiterroriste a ouvert une enquête. Son frère de 17 ans a été arrêté à proximité d'un autre établissement, a ajouté cette source policière. Arrivé sur place dans l'après-midi, le président de la République Emmanuel Macron a indiqué que l'ancien homme tué a sans doute sauvé lui-même beaucoup de vies. Il a dénoncé la barbarie du terrorisme islamiste. Il a également précisé qu'une autre tentative d'attentat dans une autre région a été déjouée.